Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement qui sont là. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Et on se plaint. Vous-même, vous êtes incompétent. Moi? Je peux être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov. Au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Parce que tout ce temps que vous êtes diplômé de Polytech. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. 2 mois, on arrive à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires à mer qui sont en train d'arriver. Ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes, si vous ne savez pas les brancher? Mais vraiment? Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans 2 mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder. Qu'est-ce que vous proposez à la place, dans l'urgence, au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut? Donnez une solution pour qu'on puisse avoir 150 mégawatts dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Vous êtes incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà livrés et qui sont là. À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant. Vous devez me changer tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Et oui, autant de Divundi, on n'a pas connu ça. Et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Je veux même croire que vous pouvez boire les Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui. Quand on regarde les images, c'est bien ça. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Mmh. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Regardez notre client. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundu. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits.
Et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.